Bonjour peuple congolais, papa, maman, onyokwami pour na kozwa visa, agence de voyage Smart Consulting et pour na bino. Oza na posa obima na ba pays loko la Canada, États-Unis, ba pays nyo se ba état Schengen, Turquie na ba pays lolenge na lolenge, na $500 Smart Consulting et salaire bino. Assistance et visa. Ba bourse peut être disponible pour na bana nyonso bazana posa okokende kotanga libanda pour na pays ya Tunisie, Chypre et Biélorussie. Oza na posa ya kozwa biso toza esika ya kobunga te okomi na rond-point Willery na avenue Louvumi 165 l'immeuble Kazam na premier niveau. Toza wana oza na posa ya kozwa ba information na nzela ya téléphone. Vous avez posé aux abissos Nanzela à téléphone, au Bengi Bisso, na 081 144 38 91. Soit au Bengi, numéro Moussousou 081 32 62 203. Smart Consulting, avec $500, on peut voyager partout dans le monde. Merci. Mbote na bino nyonso sika bozwa lundi 1er février 2021 4 ans jour pour jour depuis que Tshisekedi wa Mulumba atika mokili ya bato akenda na lodela. Que peut-on retenir na moto monene oyo na ce grand combattant de la démocratie dini oyo atikeli ba Congo lokwa mate ya tokome ko réfléchir na ngo. Mbote na bino sika bozwa mi République démocratique du Congo héritage ya famille Tshisekedi te ya famille Kabila te. Moi encore, ya famille Mobutu, topé ya famille Bemba, République démocratique du Congo, mboka yo na ngai, Congo yo soseko zwa mito kansa nini ya malonga, topé ya malamu, toyo kosa rango. République démocratique du Congo, héritage prete, ya batu, oba sa kana snel, oba kota kana ba kabine, pona okata ka kura, mingi, pina soki match ya lopare za kobeta mabande kwa na nivo ba nyoko li ba Kongole, na mwena ba kartuye mingi, ba yipse nga mokola samdi bilenge, ba vanda ki pembe na ba kabine. Bazo se daka soki muta snel akoti, ba kangele na kati, zape logo mora malamu, teme ba vanda ki permeta ki bango suko bata la match. Mobima ebandelti suka. Est-ce que single na biso to komaka kana ba niveau wana? Tata mokonzi ekolo. Lotili ki kozanga yango ezape ko buka mobeko li konzi ya mboka. Est-ce que single na biso to continue kaka na ba biloko wana République démocratique du Congo to vandaka so muta ingazonga na ndako ape ku vo feze mutu fatuna allo boni kuna ndako kurezali eza makamo kwa soni. Allo kuna maye bimaki eza makamo kwa soni. République démocratique du Congo to kola tate langi ya sika. Makamo kolo bana mboka na biso zali mingi. Congo yo makamba ko lobeko sila jour ba kolongola susu mutu te na candidature moko ba pesi raison tope mobile ba komi non appartenance à la nouvelle majorité na mituni bandeko oyo ya bureau provisoire et assemblée nationale bureau d'âge non appartenance à la nouvelle majorité de quoi va sunga biso pa batwa mona teke makamba na zolo banga moko na lobby yango candidature ya mama moko fungola ngo penda batwa mona non appartenance à la nouvelle majorité. Est-ce que mboka oyo tokotonga Congo ya sika matamwa mke oyo yango te weza na sena ngo matamwa mke. Est-ce que Congo ya sika tokotonga yango na lolenge wana non appartenance à la nouvelle majorité. Je crois que tout le monde réfléchir. Maman Mboko lobeze belé ba candidature na niveau ya lelo officiellement campagne zobanda lelo le premier na les deux campagnes ko sala mais pour élection ya bureau définitif en Assemblée nationale ko sala les 3 donc mokolo ya mercredi 3 février. Na niveau ya présidence l'Assemblée nationale tika le bon metto moko à niveau premier vice président tika le mutu moko. Est-ce que l'union sacrée serait pas ndenge Martin Fayulu lobaka ngo la deuxième grossesse FCC cash nazulu kana mona lettre de motivation ya candidat président ya l'Assemblée nationale natala lettre de motivation là soba belongoli mutu moko non appartenance sans aucun comprendre et peut que ça ne tourne réfléchir dans go de chance à premier ministre à conséquence to comme go réfléchir dans go parti na bango depuis un certain temps a comme secrétaire général a remplacé un de comme kwa kiwana a bazu mosala ko inaugurer ba siège belé na Kinshasa mobima c'est vrai parti mingi bosse ça ka président secrétaire général tout ça le bakana hier bazolo ka ba tumsu bazo mona ngota bazolo ka ba siège na ngoyi ba parti mingi za ba siège na Gombe so ba ndiko luka ba bureau na ngona ba quartier ba bureau communaux na ngoza ka mo passe peut-être un peu perdre za na Gombe mais so ke na na sendo ko mona bureau un peu perdre tamboli ko to moni bureau un peu perdre mais parti mais tout ce que ça na Gombe o a venir lukusa so ko luka ngona bangambo kuneza ka mo passe mais
moninga kenda ka saki mosala na te omazi mosala ko inokire ba bureau communaux na bango et puis partir ça bango ba ni séminaire idéologique de cadre ba kamponi na seka bazo mema wana et le ronia seka bazo ka ba na yango lendi alelo invité moko na plateau na biso Malamboka Blanchard Mongomba secrétaire général la partie nouvelle est là il y a Adolphe Moussitonde Kolba Charbonne Kimia ndeko trésor Kalafai na profité pour na copé sa yo poso elamu merci na équipe mobimba ya plateau de vérité na banza avec semaine auto bandi ezala semaine ya makambo ya malamu malgré que toza déjà na déception ya équipe nationale nenge uti ko lobana to sil ko longwa mais to ebi to non na lobeka ba to snel voilà donc ba to snel siko yo moni façon na bango ya ko se comporter yango pe koki entraîner et tout et qui comme ma conséquence tout coûte un angon na match wana donc tant au bazar déjà kokana t'as besoin courant monique bat baumi que le bama bepo na mboka et ça qui est affecté na bas joueur pour na te perdre un match donc et singeli bah na ko se comporter bah c'est que la besoin courant peut être toujours à bas conséquence il y a bon côté merci on se rend des agis covid coach alobi bah empoisonné bas joueur na ebon na boyo kota makambwana bonne partie nouvelle là. Non, parti nouvel élan des Côte-Azores qu'à la fin ils allaient. Secrétaire général, c'est presque un mois. Nous s'inscrire dans la logique. L'ambition à court, à long et à moyen terme, va prochainement. D'abord, nous avons le parti nouvel élan des aliments. Là, mon parti, où ils ont initié la mon amboka Adolphe Mozito. Parti d'ambition à Kotambo la Malamo. C'est vrai, nous avons aussi le Barana depuis le 25 décembre. Il y a Mboula, Oyo et Utaki Koleka. Na yebaki na kozala nommé loko la secrétaire générale ya parti Nouvel Élan pe ce qui totali ki na moyi lelo tozo totalisé pratiquement un mois depuis na bandi kozwa ba responsabilité wana en tant que secrétaire général ya Lingomba Nouvel Élan mais otuni ba vision to programme nanga lo lengeni nazako kana kotambola moyen et long terme. Na banza eti na kokota na bozindo nyonso tout awa te parce que tout a parti politique, il faut ba stratégie monsusu et bi makat toujours te na polele mais ya montu ya ezay eti na mekaki kokabola mandat na ngai na 4 axes. Na mi le belaki eti ya liboso na kotambola mingi na o totali bongo redynamisation a parti na biso parce que moni en tant que parti politique bosuka ki mingi na loku sa ba réunion na ba salle climatisée. Je crois que adhésion populaire. Ouais, côté wana ils ont nandenge ya mabete, c'est vrai que réunion ezala ki mingi na loku ça parce que il faut que Mbappé que de Kalafai était parti Nouvel Élan, ils allaient partir à Sika. Tobotami toza na 50 ans, toza na 3 ans, 4 ans, tozali na mboula mi balé. Donc depuis 2018 de Lingomba Nouvel Élan Botamaki après dans le 2019 parce que ma ponamisa qui na décembre 2018 bisonde na 2019 de to bandi ko evre loko la parti politique c'est là qui normal que barenyeuse ala moi mingi na niveau ya luku sai pa yapi to zali na siège provisoire na biso ya parti Nouvel Élan pour na kota la ndenge nini ba orientation nini singale ko zo pour na ko même ma parti na biso mosika donc voilà un peu yango moninga tango na zune nomination et le quoi les bossos dans le bal qui s'engage pour redynamiser parti à niveau à base parce que nous sommes un parti de masse mais très souvent dengue outi ko le bawana batoming il peut se tromper kabongo parce que tango ba moni initiateur ya parti mon amboka Adolphe Mozito ko bimisa makanisi na ba tribune ba moni biso banso ba auto kitani na yi ko le kana etando ike ko pesa makanisi na biso bazai ko mon on dirait bozaka ba parti monko élitiste même surtout le bi à part le fait wana ya kozala na ba élite ebelé na kati na Lingomba na biso nous sommes d'abord un parti de masse yango esengela ki nangai. Donc, vous savez que nous sommes d'abord un parti de masse, oui, parti de masse, donc nous avons deux ans qu'à la mingité. Parti de masse, vous êtes d'abord un parti de masse. Pour combien d'angoua? Pour bandir un groupe d'élite, et puis combien de parti de masse depuis mon connu? Non, d'abord, Ndeko Kalafai, Singel Koyeba été initiateur, il y a parti Nabiso, Mwanamboka, Adolphe Mozito, Azali Oto, Bengar Nalopoto, un descendant. Descendant il y a le Banin. Il y a Bandi Bitumba politique nae pene pene. Il y a mon amboka le patriarche Antoine Gizenga. Zokande Antoine Gizenga, il y a moko a Banda Bitumba. Et l'ongo na ba père fondateur, on a biso Lumumba,
pe bandeko nyonso to bakenda bakashamura pe bango banso sika oyo bitumba oyo ya sali pene pene ya bato ya minene wana ndeko patriarche Antoine Gizenga et sali ete azali na éducation politique pe azali na onction politique azali na leadership wana oyo eza incarné parce que oko se rappeler ete tango patriarche Gizenga akomaki na mwanzo to kokoso azali ko lukokausa sou musala mingi te na niveau ya primature atikaki ebonga wana nde na mwana mboka Adolphe Mozito elingi ko luba ete tango atikeli ye ebonga ya bokambi na niveau ya primature atikeli ye même na benga yango atikeli ye pouvoir atikeli ye leadership atikeli ye en tout cas le côté le chaman ndenge ba benga yango le côté un peu charismatique wana ya pouvoir oyia zalaki na yango donc ce n'est que normal lelo oyo tant que azali lisusu na kati na lingomba wana oyo azalaki na yango na ndeko patriarche Gizenga te aibana ko zala na sima na ye na base monene oyo bauti na palu baza ko landa ye donc ça ce n'est que normal parce que ceux qui ont ali bitumba na ye d'abord ils ala caractériser na constance ou ta banda politique qui non amou ya lelo azali bo bese na ba parti mibale lingomba palu tango lingomba palu ba bengani ye parce que ba moni ete makanisi na ye en tout cas constance na ye na vision au patriarche Gizenga tikela ki bango na palu et ça iko tcha bande ko mosusu mal à l'aise parce que bango balingai ko ko babele na kabila nzela moko omoni ba créer les ba problèmes qui nous allongué pe lelo a créer nouvelle élan donc et par rapport il y a historique de la leadership ya mwana mboka Adolphe Mozito ba to bele ba ndimango na notaire certes le bi tango mbuta Gizenga zaki na kwa koko so ya santé tikela ki bokitani na na niveau ya primature ça c'est plus Mozito un intellectuel un grand financier mais leadership na ye bokambi na ye ya bato ba congolais mingi te ba mona yango to pe ba ndima bokambi na ye même na kati ya lisanga la muka ba za komona plus Mozito atasoke salamaki na magie la lengeni la muka azwaki pouvoir parce que mon appris Mozito côté ba calculer la mbongo non pas un grand leader quelqu'un qui peut donner ba foule belé na sima na ye quelqu'un qui peut se mettre devant un public pour dire gauche ba tobaki na gauche Mozito c'est vraiment pas ça Mozito c'est plus bic na papier d'abord na siliste na montuna na baki na ba axe na 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 4 axe axe aliboso na baki redynamisation à partie Yami balé ko koba implantation à parti parce que c'est tous à la partout sur toute l'étendue à République démocratique du Congo na ba coin nion surtout ba village ba localité partout il faut tous à la parce que nous sommes un parti des masses yami sato na le baki toko bunda po na côté ka ezali offre politique na biso vision oyo moi na mboka Adolphe Mozito azana yango po na Congo et sengeli to présenter yango na mokilipe yami ne ezali ko bunda ko préparer déjà ba maponami o ekoya na mikolo ezali ko ya ndenge biso tozolinga yango et salama après ba réforme oyo tolobi esengeli za la consensuelle wana mais maintenant leadership ya mwana mboka Adolphe Mozito non ndeko kalafai ce n'est que normal bato misusu ba banza bongo parce que moni biso toza ba démocrate tolinga rate ko imposer bato oyo biso tolingi kaka moto na moto aza na liberté na ye ya ko sala lecture na ye selon tel élément est appréciation ou tel autre élément est appréciation. Mais ngai oyo nazali PNP base ba militant oyo ba etambolaka tango nyonso na mona mboka Adolphe Mozito pe bana la muka ba kotali soyete non de ko Adolphe Mozito au-delà ya côté calme na ye côté charismatique na ye c'est un grand leader azali moto oyo a yebi ko mobiliser a yebi ko drainer ba foule na sino tozonga na contexte congolais na contexte congolais politicien nyonso akomaka leader musicien nous sommes comme leader, journaliste nous sommes comme leader, joueur nous sommes enfin tous ont un contexte et on a mais surtout ceux qui parlent la définition là pardon de côté ça tous ont un contexte congolais parce que un leader il faut se caractériser comme mingi mingi na où ils allent vision na y mécanisme na y tant qu'on a petit vision petit mécanisme na y attaque au bateau na ouyé bateau mais petit ça on a bateau mais effectivement les lois yunga rose en vision pour finir le roi Hitler non mais de quoi Adolphe Mozito a coupé la vision na été parce que lelo na pesa ndaki sa moko tango ndeko Adolphe Mozito alobaki awa ete esengeli na biso to serrer ba ceinture to futa dette extérieure publique ya bapaya po ete tokoma tolongwa pays pauvre très endetté tokoma pays pauvre sous endetté moins endetté
po ite toye bana kokoma eligible na mnyongo ya sika po ite to matisa nkita ekolo na biso bato mingi ba monaki yango lokolo ezaki maji babi me ba kengo wa dondo balekawa ba mabi mulumba ba professeur baleka ba premier ministre na mboka oyo ba kokaka kosilisa nyongo wana teme Adolphe Muzito oyo akokoka yango ndenge ni ye moto azani kaka mwa inspecteur a finance a pamba ah c'est l'argument botika na ngome bato bazo retenir non mais na argument ni boso bato bazo retenir que Muzito c'est pas encore c'est pas un leader na ba prototype ba leader au tebi même discours na ye quelqu'un qui s'amène pour dire aux gens mboko yo ba investisseur ba koyate quelqu'un qui s'amène pour dire na bato na ba bande kone mususu ya la muka ba petit monsieur c'est ça aussi Muzito Azali Monto Oyo, c'est vrai que bato ndenge na lobby montona monto azana lecture na yako kiko sala selon élément et appréciation ou ya retenir. Mais tango lobby par exemple que azan monto yo discours na er moko ezalaka incompris. C'est tout à fait normal parce que tango alobaka yango na moment wana bato bandi makate et c'est ça justement caractéristique ya ba leader. Tango bato nyonso bazo tala na gauche yo tali na droite ata bato tout baboyi otikala na position na wana lobby bato ba koya kolanda wana nzela na ken un exemple moko. Ndeko Adolphe Muzito alobaki ya makambo ya Rwanda. Alobi lokola Rwanda azo menase biso azo tchaka biso molunge mikolo nyonso tongo midi pokwa bandeko bazo kufa na Esther bazo piyen kita na biso esengeli to bunda na ba reforme oto zali koluka biso na lamuka to zalana armé moko o ezali national armé o ezali républicaine oyo ekozala capable ya ko faire face na ba armé nyonso tout ya ba pays ya libanda notamment Rwanda wana au besoin s'il faut même ko annexer Rwanda wana toza la capable toza na armé ko za la capable ya ko kende na ba ambition ya bongo batonyo so ba mona ki annexer Rwanda ok discours non tango azolo ba ko annexer Rwanda lingi ko la ki sa ete Rwanda azali pays oyo azasoki na 20000 km2 biso tozali na 2 millions de trésors ka la faille donc Rwanda na mboka na biso soki tozu Rwanda Rwanda azalo ko la idiofa donc Rwanda na Congo azalo ko la idiofa omoni idiofa oyo ya Kwilu wana district territoire ya idiofa donc Rwanda iza idiofa sikoyo idiofa emena saka Congo mobimba oto za na est ouest nord sud alobi non il faut to la ki sa ke lelo yo tozali capable to préparer armée ou eza capable au besoin alobi ki te ki faut to annexer ba on met to za na armée oyo eza makasi oyo ke soki balobi lelo yo bo annexer même Rwanda ba za la capable na ko annexer donc c'était une façon ou la ki sa ba ambition na biso détermination oyo singeli to za na yango na niveau ya armée na biso mais bato tango yo ka yango bato balelaki mais na mikolo elandaki na simomoni bato tout finalement ba comment na discours ya Adolphe Muzito mozito pour na ko payer sa raison makambo ya investisseur ou tikoloba tant on dekwa Adolphe Muzito aloba ki yango bato ba muna ki yango mais la nyo se to bloquer ba investisseur ba yate non je crois que bato c'est normal hein eza na lingomba moko politique na bato na bango spécialité na bango eza la kabobele c'est ko déformer ou ezali communication eza liberté na bango bito banza ki ete ba kozala na spécialité ya ko résoudre ba problème ya ba congolais ba difficulté ya ba congolais mais maintenant tout ça ko comprendre a été baza ko se caractériser plus na o ezali ba mensonge ba o ezali déformation ya communication pe surtout o ezali ko se justifier qu'à chaque fois na ba incapacité na bango ya ko répondre na ba besoin ya ba congolais mais pona kozonga na question na ndeko Adolphe Muzito alobaki solo ete mboka Congo tuza na crise mais crise o tuza na yango ndeko kala fai et sengeli tu ebana ko résoudre yango parce que omoni crise politique ezali lokola ndenge balobaka nzete o ezali ko bomba maladie ya monene soki bo résoudre crise politique te bwe ba ete crise politique et ko engendrer et ko créer ba conséquences na ba secteur mususu notamment économique nde alobaki soki to fandi na toute responsabilité te en tant que bayi ekolo total a été ma ponami ya 2018 et salamaki mabe pe esengeli na biso to ebana ko mema ba solution oyo ekosala ete to bimisa mboka po ete to subir te mae o elekaki wana parce que toyebi biso banso ete Kabila nde a organizaki maponami wana a imposaki logique na ye ya tricherie logique na ye ya chaos po ete mboka ye sarete oozaladifficulté ya koprouve yango makambo oza oloba wana bozala na difficulté ya koprouve yango ozalaki na cour constitutionnelle bomema bapreuve te donc bo tozo concede yango ndenge olobi me bomema bapreuve te na cour constitutionnelle ndeko kala fai preuve na cour constitutionnelle ememama mais oyebi ete ndeko mende ayebisa biso ete Kabila atyaka bazuzi mitano kuna
pour être bako qui sakabo belesse ou ezali volonté à Kabila et non volonté à Mibeko. Côté wana, en tout cas, débat wana ici là, bato ba comprenant été effectivement, bazouzi wana lokola bako kako sala o Mibeko et senga bangote. Ezala ki nde parce que bazala ki dicté na volonté à Kabila. Côté wana, débat za résulté de kokala fay. Maintenant, on dekwa d'œuf mouzi to aloba ki maye wana, ezala ki pour l'antal sa été soki. Alobi soki to résoudre ma crise politique te. Il y a en tant qu'expert, en tant qu'économiste, à Talisa qui était bah, opérateur économique, n'est-ce pas le bras dans le poteau, bah, c'est un animal peuré. Bakokaka isika ning balbaka makelele ya masasi za lakate bakokaka isika ba bot ya ba soldat etambola kate okomona ite bakokima bakoriske ba yate dou et sengeli to résoudre crise politique pona et permettre biso ete to benda ba investisseur to créer nkita na mboka na biso nkita oyo ko permettre ete bayi ekolo babi kamala mu to longwa na chômage to longwa na pauvreté ba na bilenge ba o bazako bima ba université ba ba ko zo musala ba to bandima ki ngote mais lelo ba conséquence na yango to zo mona yango talanda ki sa moke budget to zana yango lelo de ko trésor kala fay ezali na ressources propres 3 milliards 500 millions budget à 2021 oh bah outil qu'au promulguer voilà mais 3 milliards 500 millions on a ressources propres ils allient même budget oh yo d'Équateur mon site on a 2012 tant qu'on a subi mana primature à Tikaki na école au Congo 3 milliards 500 millions na ressources propres ils allient même budget na ressources propres oh lelo 10 ans après Mboka Congo ils allient koko banayango au moins que exemple on a eu là qui ça a été ce qui stabilité politique ils allient tenir koko à la faille. Au comment on a été sur le plan économique solution ekozalate n'a démontré été stabilité ezalate na 2011 maponami salami Kabila akweya azwa maponami te mais ami imposa on a ki tata etchen tiseke wana bo salaki makelele te po bozaki na katanga donc ça me passe ba to ba di malogique la bino parce que ceux qui roue ezal na ngambo na bino te vous crier mais ceux ezal na ngambo na bino vous taisez donc ça me passe ba to ba di ma logique na bino dans la copie ça yonda na période on a Adolphe Mousito azaki na kati ya lingomba o ezalaki AMP na palu donc silence. Ndeko Adolphe Mozito azam moto azaka logique pe sincère na peuple ndeko Kalafai. Na 2011 ndeko Mozito azalaki élu député na circonscription ya Kikwit na liste ya Palu. Tango ayé abandi ko siéger déjà abandaki o babenga na lopoto fronde na kati na Palu pona kotali sabango ete mais patriarche Antoine Gizenga. Nzela oyo alinga ki totambola ezali nzela oyo Kabila azome mabiso na yango te sengeli biso en tant que palou to créer bloc to démontrer que nzela sengeli to ki na yango ya ba socialiste ezali nzela oyo et non nzela oyo ya zolinga ko mema biso ya ba impérialiste bande konaye na kati ya lingomba palou bandi mate ba kei campagne a zui siège na ye comme député a bandi ko siéger comme palou azo continuer kota li sabango yango tant bande ko bazo ko kaka rater abi bon. Le quoi la NASA nga moko NASA minorisé nakati ya lingomba ya plus de 17 députés pe ba cadre rebelle ya Palou et sengeli na banda ko communiquer sika oyo na base ya Palou na démontrer bango vérité oyo zo sala et nga na bande ko to yo kanate ndo moni ya bandaki na auto bengaki ba kombo ba université populaire abandaki na auto bengaki ba kombo ya ba tribune pour na ko critiquer na fonctionnement ya Palou na fonctionnement ya AMP mais so ki alinga jamais que ça la déclaration pour moni lelo commandé ngini ndeko kalafai oza élu pe même makambo yango yango to na banza na otia yango na sujet na yo to kolobela yango moto aza élu na campagne na électorale na liste ya Palou mais en pleine législature oyo peuple a pesa ki mandat ya mbula mitano yo lobino oza lisusu na liste wana te okomi moto musu non okoki ko sa la fronde oza d'accord na bonté par rapport ya démarche logique combat politique oyo ba changer ba zuya sika mais en tant que député en tant que élu oza li toujours na liste wana c'est comme ça que Ndeko Adolphe Mozito a wanga na te koloba ete aza palou te non azala ki palou mais azala ki d'accord na palou na AMP li susute par rapport ya ba politique publique o bazwa ki yango moni depuis 2012 wana azala ko marcher les choses ensemble na bango c'est un peu tiède na tina na depo ba candidature Mozito resté tiède dans ce bata ko za ngambo nini va s'inscrire azo zila ba mbuta ki zenga lo ba yende mokita na ye yende ba pesa makasi na position ti ekuta ki azali na difficulté à la candidature les a retenu ce n'est pas vrai de ko trésor ka la faille je comprends wana ezali
confusion au bandeko ya PPRD na Kabila balukai ko entretenir en amitié ya ba congolais pour na ko justifier invalidation ya candidature ya mwana mboka Adolphe Muzito injustement d'ailleurs parce que ce que otali na invalidation baloba que il y avait conflit d'intérêt donc en akat na conflit d'intérêt za la nin ce qui ngai na zo porter combo ya Kalafai yopo ye na combo ya Kalafai batali o mais binomi balé bozana na même identité mais batumi balé ndenge ni non il y a conflit d'intérêt bou kende bou résoudre homme de Adolphe Muzito Azala qui candidat président de la République na liste il y a regroupement moko parmi ba regroupement oyo ya ki na kat na plateforme na biso pour soutenir candidature na e regroupement auto bengi na kombo ya IREP ya tata na biso bofasa jema donc de Adolphe Muzito Azala qui na même liste na Antoine Gizenga te patriarche Antoine Gizenga Azala qui candidat na liste ya Palou si ka oyo entre Palou na IREP conflit d'intérêt koki ko bota ma sikanine parce que sur le plan même idéologique patriarche Antoine Gizenga na regroupement oyo ezalaki na coordinateur na ngobo face à Djema bazali na même façon comme on a makamboté au moins était compréhension to explication to kopé ça na ezali oyo bato ya PPRD Kabila na Palou o bazali contre Adolphe Muzito ba pesa ki mais je voudrais préciser une chose de quoi c'est que ça to souki ça série à makamboté Adolphe Muzito atika la timidité parce que na démontré a ouais été à en tout cas la même tribune avec tiède oui non mais à s'illustra qui na ba tribune na ye ou sa copé sa vision na ye à Congo pe au moni depuis à bandako comme ba tribune lelo tout ça na banza été na 27e tribune au de Adolphe Muzito à comment et ça l'a publié presque la plupart na ngo na édition il y a l'Armatan na France attends mon tomo ya ko contredire ma calice na été parce qu'à zo démontrer na ba chiffre l'avenir du Congo a se démontré bien que les lota situation politique d'ango conséquences d'ango sur le plan économique tala ba chiffre o isengeli tout ça la tala ta. Donc na ba chiffre à l'appui débat a zo contradictoire te kino na moyi alelo asili sa kité pendant que ba tribune ezobima université populaire biso ba oyo tuzala ki ba professeur na université populaire na mona bandeko Fumutoto bandeko Steve Kivuata tuzala ki wana tuzo animé population tokenda na ba Gemena na ba Équateur na ba Bandundu un peu partout pour na kotali sa vision ya Congo donc d'Équateur monsieur et d'ailleurs sokotali na veille il y a campagne électorale à 2018 on a ba sondage yo ezali kobima pa ya ba Institut Bercy oyo ya bandeko na biso ya ba paya ba américain d'Équateur monsieur tuzala ki parmi ba trois meilleurs candidats oyo ba singela ki ko gagner ma ponami ce qui aux ala archive au côté alors mon analyse donc voilà on a un terme de projet bah toi on a besoin absolument aucun terme de projet il y a pas il y a eu pas mal de bons projets pour la candidat belé mais en fait sondage les ala qui on a projet kakaté sondage les ala qui au niveau à population batou nini oyo ba candidat nini au population aza ko apprécier comme on a bango lobby wa kambamboka donc Adolphe Muzito aza qui parmi les trois meilleurs Azaï Kounagé, soit Aza 2e, soit Aza 3e. Pendant période Nyon Soto Ezalaki, il y a 2016 à 2017, Adolphe Muzito, ce que tu as dans le sondage, il était parmi les meilleurs. La preuve, Nasuki Sawana, Moni, Ndeko Kamere, Ayambangu, Tangwa Moni, Ndeko Adolphe Muzito, Akei Koukoutana, Bandeko MLC pour nous créer bloc, Moko pour nous préparer ma ponami. Ndeko Kamere, Ayambangu, Nambokot, Isangape, Aya Akota, pour nous Luka, Yango Moni, parmi ba makambo et créer l'Andeko Adolphe Muzito, ba conflit Ezama Ewana. Pourquoi? Parce que, na époque Wana, ba conflit MLC conflit ba lokola na palou na bato bazaki koluka ko confisquer palou parce que bango lokwa bazinga ko zala toujours na ba botte sous les bottes ya Kabila ba moni était MLC et a opposition Kamere opposition mais Adolphe Muzito azana liste à palou mais ndenge nini azala toujours na ba opposant non mais azana ba opposant parce que vision au bozana yango na Kabila na sa vision o ezaki ya patriarche bizenga te ndo moni leadership wana esali pe ete lelo oyo parce que batu baye baka yangote la muka nenge to fanda la muka ou Adolphe Muzito c'est un acteur majeur akenda ko kuta la Jean-Pierre Bemba na ndeko Blanchard laye nandeko Katumbi ndeko Blanchard so wana ko solisa bango ete tsangana pona ko bundisa o esali politique publique ya mabe o Kabila tchena mbo merci yo ben ko zela za ma passe so comme secrétaire général so abise là aussi donc en arrêté tout retard la tour autour inauguration ya siège na bino na niveau Changu et puis tout retard la séminaire de cadres ceux qui s'y prennent malheureux makambu ya nouvelle elana mokambi na ngo Adolphe Muzito fumon pa na ibi kana mois de février za kaminga na activité donc en arrêté rapprocher l'administration de la base c'est l'approche choisie par le nouvel élan
Le secrétaire général Blanchard Mongomba a procédé ce vendredi à l'ouverture officielle du bureau des nouvelles Lomassina. Ces responsables du parti Chiara de Plumzito a conscientisé la base de ce coin à poursuivre la mission, pas une parcelle sans nouvel élan, et à se préparer pour une lutte patriotique pour libérer le pays demain de prédateurs. Information au tout Italie, nouvel élan, Bella Mouka. Au plus, on a pour la bande de Koro, Bazalina, la personne qui a des yeux, ma carte, Bale Kakawana. Blanchard Mongomba promet de placer les bureaux de Nouvel Élan partout dans les communes de la capitale Kinshasa et dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, dans l'optique de permettre à la base de se ressourcer idéologiquement et à déposer leurs suggestions au parti. Nouvel élan parti cher au premier ministre honoraire Adolphe Mouzito s'emploie pendant 4 semaines à une session de mise à niveau à l'intention des cadres du parti à travers un séminaire idéologique ouvert ce samedi 30 janvier par l'initiateur lui-même qui donne les temps sur les matières à traiter. Aura va aborder plus ou moins 5 matières. Premièrement, nous allons faire l'évaluation de la situation politique, économique et sociale du pays. Deuxièmement, il est prévu qu'on discute du contenu de la résistance pacifique. Est-ce qu'il nous faut, dans le cas du parti, la résistance ou l'opposition? Pourquoi résistance et quelle résistance? Pourquoi résistance et pas l'opposition ou opposition républicaine, disent les autres. Troisièmement, nous allons faire une mise à niveau des cadres du parti. En fait, c'est une mise à niveau pour nous tous au cours des échanges et sur l'actualité et sur le contenu de la résistance et sur l'esquisse qu'il faut faire de notre programme ainsi que l'enrichissement de notre projet de société. En discutant, nous serons en fait en train de faire de l'animation idéologique. Pourquoi initier de tels travaux aujourd'hui et maintenant, Adolphe Mouzito argumente. Donc, à travers le dialogue vertical, nous irons vers le peuple pour échanger avec lui, lui donner les éléments des gens d'en haut que nous sommes et recevoir de lui les informations, les analyses des gens d'en bas. C'est comme ça que nous pourrions améliorer la gouvernance du pays, mais avant la gouvernance, et c'est le contexte de notre pays, la lutte pour l'autodétermination de ce peuple, la lutte pour sa souveraineté, la lutte pour la démocratie et l'état du droit. Donc, c'est comme ça que ça va se passer pour éviter qu'on se retrouve dans une situation où on est ensemble sans être d'accord. Et on entretient l'hypocrisie, on ramène les débats aux seuls enjeux du pouvoir, sans débattre des enjeux des conflits. Merci Alva Image, Patrick Itoko Bandegwaza Nangambo Yarishi. 1er février 2017, 1er février 2021, 4 ans jour pour jour depuis que Tente Sekedi wa Mulumba atika biso. Blanchard Mongomba, je sais commenter yango, mais eloko nini yo tikale yango na komba monene o Tente Sekedi ya Bundaki. Nous attendons commenter l'élément. Merci Ndeko Kalafa ya liboso na bandi na ba image. Donc bandeko ba moni image ya liboso ana epai wapi nazalaki na full monene wana izalaki na quartier 3 na Massina en plein sur le boulevard to siliko inauguré na kende ko inauguré permanence ya Tchango
na isika wana parce que moni utai koloba yango parti eza parti ya sika tozaki mingi na Gombe na bureau na biso ezalia wa mais ngai na mission mukumba oyo initiateur a parti mona mboka Adolphe Mozi toasili kopesa ngai ezalaki ya ko rapprocher administration to quoi rapprocher o ezali bongo niveau national na base na biso parce qu'il faut information, il faut communication et les cas pour permettre cette redynamisation au tozo lukana ezala effective de manière à ce que parti na biso ezala vraiment parti to affirmer to confirmer place nous en tant que parti des masses en moni na chango wana na kindegi non pas ko inaugurer mais ko la kisana ino place siège ezali parce que inauguration ezala jour barbanda ko recevoir ba carte d'adhésion ko tika ba suggestion na bango na banza été superviseur ya district ya chango de ya kosala yango na débit ya semaine. Alors, deuxième image au bomoni bandeko bazaki mingi na pembe wana wana ezali séminaire idéologique ya ba cadre ya parti na biso nouvel élan oui bandaki mokolo ya poso elekaki tokozwa bongo 4 semaines chaque samedi pendant 4 semaines wana toko banda ko se réunir na bureau en fait na direction na biso place siège ezali et pa yoapi toko kabola makanisi toko sala évaluation politique ya mboka na biso toko lobela sur ba idéologie ya parti na biso toko pesa moi esquisse ya projet des sociétés na biso en tant que parti politique pe toko tala ndenge nini esengeli na biso ko réarmer moralement ba cadre na biso pour na koyeba ko zala ko afiter ba arme na bango par rapport ya ba échéance o ezali koya na mikolo mikoya wana voilà un peu et lo na ko ko ba par rapport ya ba image ndenge uti ko lekana alors na mutu na nga ndeko Etienne Tshisekedi molimo na epe mana kimia azali moto oyo personnage o esengeli ko respecter malgré ou union sur les coquilles causala tout autour il y a Bomo Inaye à Wanase mais il s'engueule premièrement qu'on respecte Moli Monaye parce que Abundi Azali parmi bateau Babundi pour naïkolo Azali bateau Oyo bah c'est caractérisé mingi na existence naé na Mokili Oyo na Bitumba sens ya Bitumba naye ya bundisi ndeko Mobutu par rapport ya dictature ndenge zalaki wana mais ndeko kala fai ngana linga koloba eloko moko il faut pas tout ça kana culture toujours aux arrêté soki ndeko asi koko mamoyi makambo manso asala to loba ezaka kamalam isengeli parce que ça fait partie de l'histoire na histoire ya moto toza ba africain hein bantoa kana lenge na ye non mais toza ba africain mais toza ba scientifique parce que lelo yo biko tozo sale la babuko tutangaka ezali biso c'est vrai balwa ka écriture tout ça banda na Égypte mais makamu mingi tozo yango pe na ba tradition moderne et sengeli toye ba pe na ko s'adapter na ba makamu mosusu lelo oyo puisque Etienne Tshisekedi fait partie de l'histoire pe azali personnage monene ya mboka na biso o moto akoki ko ignorer te il faut tango tozo lobela e ko lobela un peu ba contour na ye ndeko Etienne Tshisekedi Azali Monto et Sengel Koyeba été abandaki na Mobutu. Parmi ba commissaires généraux, Oyo Mobutu Azwaki pour nako tango asalaki coup d'état na Yami Balé na 1965. En même temps, ils ont cru na comment na Congo moko ya le lenge moko boy, il y a problème te. Non mais nga na lobby et loko mosu te mais na rappeler na zo rappeler partie et histoire wana pour nako tali ça été ça fait partie et histoire. Ba bandaki manifeste en selé ndeko Tshisekedi Etienne azali parmi bato ba initia yango, azali parmi monto o azalaki na justice ya mboka na biso tango bazo kanga Lumumba, tango bazo kende ku Boma Lumumba ndeko Etienne Tshisekedi azala na justice tout monde akaba document et sur qui la kawana ou il a qui sa implication na épée na disparition ya héros national Patrice Emery Lumumba pe tout monde qui est azala qui a na dictature kobunda contre dictature mais eloko oyo na lingi ko relever a ezanine un dictateur ba négocier kana été de côté la faille dictateur ba bundisaka qui non ainsi qui non sur au salut combat Etienne Tshisekedi mais et loko ezala ki sko ya particulier na kati ya combat Etienne Tshisekedi zakinin o komona azo bundisa dictateur mais lobby dictateur alobi a nommé premier ministre est-ce que bien tende ko Etienne Tshisekedi azali moto ba nomma et premier ministre ce qui mémoire nanga et trahir nga été 7 fois ou ta Mobutu azabo kambina yo wana ya 32 ans na le bakala de 92
Kino Mobutu Akei, ba nommé 7 fois premier ministre. Il faut que tu l'appelles à contour, Nango. Non, mais Moto Yo Lobby déjà qui a sali dictateur. C'est que Motoana a ko komaka démocrate te. Motoana a ko sa la ouverture ya pouvoir te. Pour na ko longa e sengel ko faire partir ye. Pour na ko sa démocratie. Tozo abo kambi. Nandenge ya ba élection nandenge ya mapona. Deya fra ki ko kindaka. Ba nomé premier ministre. A komi kuna a barré signature. Ba nomé premier ministre. Moni ete. Aza Motoyo. Y sengel ko salue bitumba na e engagement na e. Mais il faut ko lo bape na cadre histoire. Na cadre ya ba na o. Bazali ba étudiant. Ba élève. Baza ko tala biso. Ete aza Motoyo. Aza la ki un tout petit peu na contradiction na bitumba na ndenga za ekoki na ngo parce que azaki ko ndima ka Mobutu oyé azaki ko bundisa comme dictateur a nomma ka comme premier ministre alors que ayé bien te moto na za dictateur ce qui a nommé yo ko sala na logique na ya dictature au moins que azaki un peu contradictoire na logique ya démocratie ndenga mo pena bino boboya bocha batu na confusion boboya machine a voter ti à la veille boboya ko ndima machine a voter donc za le kamote bino boboya machine bino na faul bukanga machine a voter tokente boboya ti na sima bondimi machine a voter et c'est boboya ça batu pour ça 20 minutes batu ba kebo na jour a vote batu ba ça la un moment de 5 minutes donc ça ka makambo il faut relever to kota te zelande ko kala fai et on change malamo ko te wana petikali na histoire au relever on loko la page histoire biso toebisa ba tote te bondi ma machine a voter lokola outil oyo et ko servir na vote na place na bino peuple to bunda ki kote le machine a voter parce que to linga ki te été ndenge loi électorale lo baila ki été vote électronique esa prohibé pona ma ponami o esa ki en cours to ba ki singela ko to sa mo be ko loi électorale puisque biso to zali ba to za na sens wana républicain to za ba to linga ko to sa mi beko finalement il y avait un compromis na nanga ay ko ba été bon machine wana et ko servir kaka d'imprimante. Donc ceux qui m'ont voté et imprimer les bulletins na ye bulletin on ande ko servir et tout ça là comptage manuel na ba bulletin on a pour les résultats fichier ISB qui na souka en violation à loi électorale malheureusement en violation à loi électorale yango to lobby était ba zuzio bazali na cour constitutionnelle on na za désolé ya ko lobby était bazala ki wana pour na ko recevoir kaka dictat ya Kabila sans que bato sa o ezali mubeko pourtant ba zuzi un juge azalaka na devoir au babengaka na droit devoir ya désobéissance akoki jamais koyoka été kala fa bengaki na téléphone na lobby salabo akoki ko sala yango te un juge azalaka bobelese na autorité moko o ezali mubeko loi tango azako sambi satan wazako rendre jugement nae mais malheureusement tout monde qui to chato changer ka chaque temps mala bona ya monozo oza transpirer pour na luka ba explication mokonzi na parti azaka azo garder ka siège na niveau assemblée nationale Ndeko Adolphe Mozito aza élu parmi bato o bazala élu aza parmi ma mère élu ya législature aza o garder ka siège na assemblée nationale non mais na ya no la haute Ndeko Adolphe Mozito azali parmi ba meilleur élu ya mboka na biso bato yo tango ba luki ba sala tricherie ba koka ko simba ba voix na bonté mais si ka oyo ye a si jaka té na kati na institution na parce que tiré le suppléant bon suppléant za député et loko ba to ba comprendre té ngo na suppléant la suppléant on a lobité suppléant za député comme député ba valider mandat aza député na même titre que titulaire na ye donc ceux qui suppléant za wana elingo le bataille té a deux mosi to monto za wana. Donc suppléant, aza député, aza élu, na même liste, aza ndenge moko na titulaire na. Suppléant, Adolphe Mozito, batu baye bakete, zaka nou nani, wati kala. Nga pe na ebi ete. Nga pe na ebi suppléant. Ozali secrétaire général ya parti Adolphe Mozito. Suppléant Adolphe Mozito. To ye batam, so mena ba vote. Non, ndeko zela. Mena ba vote, wato a benga ba komba na baye ba, eh, wana mouta Mozito a vote tel. Te ndeko zela. Zela tope sa précision. Ki son pour, ki son contre. So tche to luka mala moko na internet to luki photo ne to mami ki angwana. Suppléant ne zaka nani. Na ligne kope sa précision mon ko. Parti na ngai, parti na biso, parti a mon amboka Adolphe Mozito, nouvel élan, et ki ina nom aponamite. Donc, parti na biso to bandi ko evre na 2019. C'est vrai que Mikanda, tout ce qui est déjà en 2018, mais tout le monde qui fonctionnait comme parti politique en 2019, après ma ponami en 2018. C'est-à-dire que Ndeko Adolphe Mozito Aza, Azwa qui siège na ye, na combo ya parti politique na biso nouvelle élan te. Et l'inko le ba été suppléant na ye, Isali suppléant ou ye a tchaki en tant que personnalité par rapport ya bitumba ou azak non. Mais le lo bitumba azan angona en tant que parti politique, en tant que lamouka, en tant que nouvel élan, ezali bitumba ou ezotali sa ete, ba institution nyon son denge e fandi wana, eza illégitime pour na biso parce que tango ba salaki, ba komisaki lamouka plateforme politique et longue plateforme électorale le 27 avril na Bruxelles,
bango ban soba leader wana yala muka natangi ndekwadef mozito ndeko Martin Fayulu pe ba ancien leader na biso ya ndeko Bemba ndeko Katumbi tango bazalaki na lamuka bino bon décidé ko longola te biso décidé ko longola ba so bi ba ancien leader non mais nani a ebite te lelo ndeko leader na biso tout ça inyo sakre za famille politique ta za parti politique za regroupement politique za inyo sakre za lokola za lokola likelemba Moi qui bossango moi en tout cas charisme kimia au moins dans Boca Adolf Mozito azalaka na yango azalaka kimia azalaka moto lokola lobaka mingi te mais azali moto oyo ndenge na lobaki azali descendant azali mwana oyo a botami na bitumba ya ba père fondateur a botami na kati na palu tango baye awa coup d'état et salami na maréchal Mobutu bazu ba Lumumbi senior surtout ba kei bakende ki na Kisangani bakei kofanda kuna na patriarche Antoine Gizenga ndeko Adolf Mozito abanda bitumba na moment wana patriarche Antoine Gizenga ki exil ye toujours na palu na IGF atika na IGF un père ezo renier awa bazo pesa bato ba fonction ba jeep ma pango Adolf Mozito na maela zaki na ngo technicité zaki na ngo so zaki moto yo a bujaka pamba pamba selon que pouvoir katisi wekebu nde azalaki na parmi ba dignitaire ya deuxième république mais afanda alobi nazalu mumbiste naza socialiste na kokoba bitumba yo kino e pa ekome mabiso est-ce que zo mona constance ya moto ya lolenge wana lelo yo akoki ko ya ko sajiter pona moi pouvoir moko oyeza malaki bande ko foba ba kaite pouvoir o ya Chilombo Kabila ezali un pouvoir malaki bazo yango na volonté ya peuple te bazo yango na volonté ya kingakati yango moni lelo yo déjà ningo zo lobana ils ont du mal ya ko définir même union sacrée na bango pourquoi parce que c'est un coup d'état politique o basali da peuple moko batu mona rapine lokola on dit que le bolingi te er moko matre fa la ko belle la wa belle kina ba te s'intéresse kuna libala FC Kabila Félix et Kabwana nde kwa yo kibu na sele makasi libale Kabwana ko ya boso ya kakate bo er moko lingane mais est-ce que ba Kabwana Kabila yo za convaincu te Tshisekedi ya Kabwana na Kabila yo ebite ke ba Kabwana non oui le loyo mbosoko di ampwanga aza élu na liste nini ende ko kala fa on était le loyo ça côté union sacrée de non union sacrée mon ko le bien était ezé l'autre côté donc le loyo c'est la base quoi likelemba bon donc il y a une logique à likelemba na carte na union sacrée en sotali banane ba majoritaire kuna ba député Kabila ba oyo batikali na o bango ba bengo opposition banane ba majoritaire kuna ba député Kabila kabundi ye mon ko le ki na étando ikende ko kala fai alobi mais bemba na Katumbi wana na ebisa ki bango devant de Kotilombo ke bozaka na 100 députés a pamba bino mi balé wana nan on sa la real politique na pese bonga na bato ya FCC alobaki yango FCC zali nani autorité morale Kabila donc au moni sika wana ndeko kala fai bako sa peuple te lelo oyo Kabila nan ndeko Chilombo ba décidé ya ko théâtraliser politique na biso pona ba intérêt na bango personnel ba oyo bazo comprendre yango te eza liberté na bango to ko imposer bango compréhension te si bien que tous en avance bako ya ko rejoindre biso na compréhension tous en yango pona kotalisa lolenge nini makambo zoki mais na zongi na question tuna ki te do bengani bemba na Katumbi na lamuka non lamuka ezali na mobeko na yango o ekambaka yango ba bengi yango convention na kati na convention ya lamuka de ko trésor kala fa ndenge ba revisa ki yango na mikolo meuti koleka awa ba lobi ete leader nyo surtout oyo akose karté na vision oyo ezali ya lamuka
akoki ko kende librement pe akoki ko réclamer loko moko li susté to droit intellectuel to propriété moko privé tout ça na kat na lamuka mais ce qui totali lamuka nenge zaliwana parmi ba objectif ya lamuka ezali ko bunda pona ko battre la mobe ko li ko di ko lutter contre anti valeur ko bunda pona ko réhabiliter peuple par rapport ya souveraineté na ye pe ko bunda po été ba maponami e ba rozamalam mais ce qui totali le makambo oyo ezole kanakat na union sacrée okomo na été ezali le contraire ya bitumba o ezali ya lamuka mais sikoy motune ezali est-ce que leader to moto moko okoki ko appartenir na deux structures to deux regroupements politiques ezali prohibé na mobeko na biso na mboka na biso loi électorale na mobeko likondi ya liboso ya ngwana ya mibale bakomi kabola ndenge nini ndeko Jean-Pierre Bemba parce que nande ko Katumbi to mona bango ko sala ba tweet ko sala ba communiquer ba député na bango ba cadre na bango ban sokole kapona ko soutenir ndeko tilo mboko lo ba ete voilà siko mboka ekomi libéré en contradiction na convention il y a le 27 avril au Bango Bombassing na Bruxelles pour nakoloba été la Muka na candidat na Martin Fayulu Mutubalonga maponami en contradiction on a communiqué Bassingi na Lubumbashi entre une lance à remise et reprise entre coordonnateur sortant Moïse Katumbi na coordonnateur entrant Jean-Pierre Bemba baloba qui était Mutubalonga maponami Martin Fayulu na Ngomba la Muka mais lelo il est comme Etienne Ndeko Tshilombo et zotali ça solo été Bango ba poni na Bango ko kende ko soutenir ndeko Tshilombo eza liberté na droit na bango bisto ko pekisa bango te toki ko ke lango pe monte ba mabete mais ndeko Martin Fayulu l'actuel coordonnateur ya lamuka communiquer na a sali eza communiquer o ezo sala bobele c'est constat a constaté été depuis a comme coordonnateur a convoqué trois réunions oyo Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi bazali ko yate yango ya sali communiquer na pona ko ba été na prochain topé prochaine réunion il y a présidium il y a la Muka bah statuer sur situation là parce que bah quoi qu'on a bloqué bon côté aussi longtemps que bazon mon abandeko na bango bazali ko participer activement na aux ali projet il y a ndeko Tshilombo il y a union ayo abengi union sacrée là donc voilà un peu mon toi quoi qu'on benga na bango te mais tu constater un coordonnateur a constaté était bango moko bah milongoli bah mi auto exclure bah qui na bango nandela na et ça liberté na bango droit la bango tu toujours comme on a souvent tu sais pratiquement à 7 minutes un mot par rapport à Makambezo le Kana niveau ensemble national de l'eau officiellement campagne bandi basa a deux jours à campagne pour élection aux ala le mercredi 3 mais étonnement batuzali la manière dont va invalider ma candidature ya batumusu ce qui ne quoi va au songa ça zone ça sur ba photo wana au moins batumusu mobile et invalidation ba pesi non appartenance na majorité actuelle. Un mot peut-être par rapport à ce qui se passe au niveau assemblée nationale. Et puis sans oublier qu'il y a eu un arrêt à cour constitutionnelle comme ça qui député électron libre. Comment les Mutakoma qui azaki na quatre familles politiques hier, bah commissaire électron libre les lots et le lendemain, bah contraindre y a zonga na quatre ya libota wana bah tozo bah adhésion à une sacrée samaki de manière personnelle et individuelle. Ndenge nini ko concourir na bah poste il faut bah conditionnant c'est vrai le règlement intérieur conditionne candidature na aval topé fait vers y a recrutement topé parti politique comme ça quoi partout. Ndeko Kalafai ezali soni mingi komona mai ezali koleka na kati na institution wana si bien qu'ils aient illégitime mais baza wana de fait pe makambo ezoleka wana ezali bosoto soni pour ça ya ko wanga na identité ya ki congolais mais toi na choix te toi na encore moko il faut toi assumer yango moni biso to lobi tozo ko bana résistance pendant ko tele mena maimanso ezo le kawana pe olie sou kawana te moto ay ko activer bango ezali cour constitutionnel malheureusement constate tozo sala yango na cour constitutionnel oui bien te ndeko Kalafai assemblée nationale à part mon bec au lit qu'on dit, bazana règlement intérieur où il s'alla kaité, où il régit sa ka organisation na fonctionnement na bango. Mais règlement intérieur ou anan de Kokalafai, yambo ete ekota en action, ekota en vigueur. Et na cour constitutionnelle pour la. Et que na kapo na conformité na mon bec au lit qu'on dit constitution. Mais mon bec au topé règlement intérieur ou anan ilobi ete, chaque député esengeli a. À ça la déclaration et appartenance na regroupement politique na début à législature mais qu'aucun moi mobeko wana oyo ezala qui déclaré conforme na mobeko li kondi lelo bazuzi baye ko
zwa arrêt ou ezo contredire Mobeko wana. Deuxième élément, Mobeko li kondi et lobiété député aza élu sur la liste d'un parti politique, d'un regroupement politique. D'abord, na kat na Mobeko li kondi ba lobelaka parti politique. Mais na loi électorale, ba yeko ba parti politique ba pe si possibilité à regroupement politique. Mobeko li kondi ba kisi, okoki oza la pe indépendant. Donc, na début déjà tant ozo kende campagne, il faut omi définir. Est-ce que Ozokine est comme indépendant, Ozokine est comme parti politique, et ça qui passe dans l'élection 2018, va indépendant va se retrouver avec premier. Voilà. Ce qui fait que on a moins d'indépendants dans mon yale l'autre, tout ça, bah, député, au bazar, kaka élu, n'a pas regroupement politique, n'a presque pas de parti politique. Si quand yo, eko banda boni, n'a kati kati à législature mandat et s'il était, court à contredire, n'a mobe koli kondi. Na loi électorale, na règlement intérieur pour na koloba été député aza libre ya kopona nzela oya lingi. Mais oyebi été ndeko trésor kala faille ba élite ya mboka na biso na komi tenté ya koloba été ya kondi mandenge ba to ba ba été ba élite mon to bazo bo mboka oyo. Parce qu'il y a rien à bon moment to zone di belango. Non, na tenté ya kondi ma. Okay. Na tenté ya kondi ma parce que c'est très grave ya komo na bazuzi. Au bazar censé qu'aux ala banganga ya mayele ya couper sa orientation oyo mobeko elingi parce que bato babo sa natin de trésor kala faille la cour constitutionnelle n'a pas pour attribution topé pour compétence ya ko créer ba loi ya ko créer mibeko. La cour constitutionnelle applique les lois et exécute les lois o esalami na niveau ya à parlement o esali représentation ya peuple. Donc peuple ne montre qu'il y a comme Mibeko Nanzela il y a ba ponaminaye pe ba cours et tribunaux à Zora Mokumba par rapport à la séparation à pouvoir il y a que ça les Mibeko au peuple à salir mais au cours constitutionnel là où tu que ça la lelo yo ezali soni pe mawaming mais tala bato tout à coup ils sont été maiwane ezali mabe bandima qui bisote tango ba kei ba invalider ba candidature na bango ba lingi ba ya les sous pour na ko séduire biso non moto azana kati na li felo a Luka Kalisu soute ko Luka a sala malam parce que ato sali malam na kat na li fe londe ko trésor kala fay kombo na yo se ozika kombo na yo se liwa donc bande ko wana ba assumer conséquence ya maebango moko baluka ki ya fraude conséquence ya maebaluka ki ya ko tambola contre volonté à peuple congolais et frapper bango moko pe motuna moko na zana yango ya suki sala motuna wana ndeko Kabund na moni ki e pas a candidat mais ndeko Kabund wana ba député au bakwei saki balba qui est à incompétent et ça quand ba député bazawana plus de 300 je crois bazoka 300 et quelques voix au votaka contre yé mais le lors quoi ça candidat unique na poste wana ya premier vice président banani ba voter a komi compétent na moment ni mutuna ezawana nde ko kala fay parce que balba qui est à incompétent mutuna ba député le lors ko bango nyonso basangane babi candidat unique Kabund siko mutuna ezali a komi compétent na moment nini moto na ba makasi kotika la est-ce que le kambo 7 millions pour na congrès et ya no toujours te totika la na suspense moto na makasi on va de souki si d'ici je crois les 15 je crois pas mais les 15 février pour ça on appelle à Vital Kamerhe 30 secondes est-ce que vous pensez que Vital Kamerhe peut être aujourd'hui libéré pour Air Moro ba conteneur mususu au souki na nini au gouvernement certifié que zala ma maison fait fabriquer ma tite botama botama botama. Est-ce que vous pensez que les justice a eu la côté comme la mort avec caméra les bandes surtout que va nous sommes basara condamné basara qui crassure d'abord on a eu procès ou un namon a été ça plus procès moro politique objectif n'a ngo ezala qui ko éliminer un adversaire politique. Ça c'est ma lecture parce que ceux qui te l'obito qui est sur le plan strictement juridique na bande a été ndeko kamere akokai koza le seul ya se retrouver dans ma cale atteindre ko trésor kala fin. Il est vrai que misolo ya ba congolais ba lia biso misolo na biso ofele mais moto ali yango ezali ndeko kamere et mon côté ndeko chilombo oyo a initia programme wana na niveau ya présidence ya république alors que Mobeko li kondi article 92 article 93 et le bien était moto za na compétence ya ko organiser ba projet au union surtout et talibo tambu simbo ka ezali gouvernement sinon il y a un directeur de cabinet na e bandaki boni selon Mobeko nini
bazwa ki pona ba initier programme wana na niveau na bango. Donc ce qui procès wana izala ki vraiment un procès oyo izala ki na objectif ya ko rétablir mibeko na isika na yango selon ngi peuple a décidé na banza été ndeko kamere akai ko zala ye mon côté mais chance par rapport ya procès wana na appel na za ko le ba été nyo surtout zo défendre na politique. Au moni ndeko ya OVD na ya Sokok ba kota ki makala. Ba sali même pas 7-6 mois, babi misi bango na mesure ya grâce présidentielle. Merci, monsieur le secrétaire général. Merci. Tena suki kakawana. Bato ba lemi sur le peuple, ba gracié bango. Mais moto yo, journaliste Roland de Konabino ya RTGA. Bakangi e kaka pour babi. Non, mais bakangi e pour nanine. Bato ba lemi sur babi. Moto a spécial opinion na epo kangi. Merci, Ndeko. Monsieur le secrétaire général, Ndeko Blanchard, Mongomba, Ndeko Ngandu, depuis Kinshasa, lobby. Mbalaboni était ce qu'il a nommé premier ministre et pas à mon bout de 7 fois. Bon, il le baguette que 7 fois le baguette sur une mémoire n'est pas l'âme. Donc, on confirme que 7 était. On a répondu, mais Mbalasimoto, tout nos tangas. Pour ceux qui s'y émissionnent, ils sont mon collègue là. Sangomoura Matanga, de Konanga, Serge Longondo. Tamba Peso, ma casa, au terreau, sa papa. Papa Koufaki, depuis semaine passée. Veille mortuaire au salam à mon collègue vendredi 5 février. Et que la croisement venu. Baoba et puis dans l'hôpital, dans le quartier Kauka, dans la commune de Kalamu, une émission qui s'est passée le samedi 7, et plutôt le samedi 6 février. Si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit merci à vous, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Maître Blanchard Mongomba, secrétaire général, il y a un nouvel élan, parti cher Adolphe Mousito. Aotiko kitana na ebonga oyo na mwana mboka Steve Kivuata oyo ake na IGF banda ke na IGF na mwana ya komeka eloko moko akomeka makambo ya corruption ndeko Steve Kivuata na pesi ombote siko zali na IGF kuna musaleza makasi penza mingi to sukisi kongole papa maman onyokwami pona kozwa visa agence de voyage smart consulting eye pona bino oza na posa obima na ba pays lokola Canada États-Unis ba pays nyonso ba état Schengen Turquie na ba pays lolenge na lolenge na $500 smart consulting et salaire bino assistance et visa ba bourse peza disponible pour na bana nyonso bazana posa okokende kotanga libanda pona pays ya Tunisie Chypre pe Biélorussie oza na posa ya kozwa biso toza esika ya kobunga te okomi na rond point Willeri na avenue Louvung 165, l'immeuble Kazam, na premier niveau. Tozawana, ozana posa a kozwa information, nanzela a téléphone. Ozana posa ozwa biso nanzela a téléphone, obengi biso na 081-144-38-91. Soit obengi, numéro mousoso 081-32-62-203. Mousala Kitoko et mon ami Chou et en plus... Je dirais à Moukier, adresse les enfants, une seule adresse, ma smart, vous n'aurez jamais dessus. Ma smart consulting, avec $500, on peut voyager partout dans le monde.